CIBI FM 99,1 Drôme-Missisquoi et sur CIBI 991.com. Vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. Mesdames et messieurs, ici Jacques Marchand. Bienvenue dans la zone Country Société. Cette semaine, on parle des suffragettes. Vous savez, à chaque émission de Country Société, nous survolons les époques et l'évolution de la musique aux États-Unis. Et il faut dire qu'au cours des dernières émissions, après avoir passé à travers le temps, de 1920 à 1918, époque de la Grande Guerre et de la grippe espagnole, du syndicalisme notamment, syndicalisme bolchevique entre guillemets aux États-Unis, de la prohibition, du gangstérisme d'Alfonso Capone, on a parlé également de la radio et de l'aviation, donc si le 20e siècle a été celui des innovations, le 19e a été le siècle des droits de vote de la femme américaine. Dès le début du 19e, un chapitre important de la sociologie américaine s'amorce par une bataille du droit de vote des femmes qui aboutira par un amendement de la Constitution. Suite à l'abolition de l'esclavagisme en 1870, à la fin de la guerre civile, terminer le système des affranchis pendant que les femmes foncent pour obtenir des droits politiques. Mais cette bataille avait débuté au lendemain de la guerre d'indépendance de George Washington. Une sorte de mouvement féministe s'était installé en 1789. States on account of sex. We cry for freedom, oh, here.
for the ages. Freedom, it is contagious. March, march, be courageous. Fighting for our rights, we may just start greatness for the ages. Remember the ladies. Not to be above, but equal to all men. We only ask to be part of this union. Comme dirait le français, c'est démocratie. Permettez-moi participer. I'm a citizen of this nation. Sur CIDI FM 99,1 Bromissisquoi et sur CIDI 991.com, vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. La Constitution des États-Unis confère aux États le pouvoir de fixer les conditions de vote. En général, les États limitaient ce droit aux hommes blancs propriétaires et des contribuables. Toutefois, le New Jersey a également accordé le droit de vote aux femmes célibataires et veuves qui répondaient aux critères de propriété, peu importe leur couleur, mais leur retire le droit de vote en 1807. Les femmes mariées n'étaient pas autorisées à posséder des biens et ne pouvaient donc pas voter. La Convention de Seneca Falls a été la première convention sur les droits des femmes. Elle s'est présentée comme une convention pour discuter de la condition et des droits sociaux, civils et religieux de la femme. En 1850, la première d'une série de conventions nationales sur les droits des femmes se réunit à Worcester, au Massachusetts. À Philadelphie, cependant, des femmes quakers de la région s'organisent et organisent une réunion avec Lucretia Mott, une quaker, célèbre pour sa capacité oratoire, ce qui était rare pour les femmes non quakers à l'époque, où les femmes n'étaient souvent pas autorisées à parler en public. La réunion comprenait 6 séances, dont une conférence sur le droit, une présentation humoristique et des multiples discussions sur le rôle des femmes dans la société. La déclaration des sentiments, notamment, est devenue le facteur le plus important pour faire connaître le mouvement des droits des femmes dans tout le pays en 1848. Sur CIDI FM 99,1 Bromissisquoi et sur CIDI 991.com, vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. Time's up for the ruthless, the wicked and the vain. Time's up for the cheaters, cause now the game has changed. It's been a long time coming, there's a new day dawning, gonna stop your running today. The wait's over for the patient, the humble and the brave. Now the way it is becomes the way you were. Now you always lose when you fight in love. Say good things come to those who wait, but we've waited long enough. Our time is here, our time is now, our time is now.
to meet the light. Time's up for the castle built on sand and spite. Rome is burning, and one thing's for certain: the guilty are nervous tonight. And we are waiting anymore for the moon to turn the tides. Now the way it is becomes the way it was. Good things come to those who wait, but we've waited long enough. Our time is here, our time is now, our time has come, and your time is up. Tipping and the veil is ripping and the clock is ticking, cause the time's up. The scales are tipping and the veil is ripping and the clock is ticking, cause the time's up. The scales are tipping and the veil is ripping and the clock is ticking, cause the time's up. The scales are tipping and the veil is ripping and the clock is ticking. En 1848, la convention de Seneca Falls, la première convention sur les droits des femmes, a lieu à Seneca Falls, justement, dans l'État de New York. Le suffrage féminin est proposé par Elizabeth Cady Stanton et accepté après une dispute passionnée de l'abolitionniste Frederick Douglass. Lors de la Convention nationale des droits de la femme en 1851, la question du droit de vote des femmes est devenue un principe central du mouvement des droits des femmes aux États-Unis. En 1860, la guerre de sécession américaine éclate. La plupart des suffragettes se concentrent sur l'effort de guerre et l'activité de suffrage est minime. Et à la fin de celle-ci, l'American Equal Rights Association, travaillant pour le suffrage des femmes et des Afro-Américains, demande que la Constitution révisée inclue le droit de vote des femmes. Leur effort échoue effectivement. Women do not have the calmness of temperament or the balance of mind to exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Women are well represented by their fathers, brothers, husbands. Once the vote was given, it would be impossible to stop at this. Women would then demand the right of becoming MPs, cabinet ministers, judges. Says I'm just a featherweight. He thinks the slightest breeze could blow me over. What he doesn't know is I've got a slingshot and a stone, and I can.
got my high heels on, my boxing gloves. I can knock you out with a 1-2 punch. I'm perfume sweet and whiskey strong. I damn sure ain't no underdog. I might fall down, but I get back up. I shine bright as when the good winds tough. Say I can't, well darling, watch me. You can't stop me 'cause I fight like a girl. Just wanna make my mama proud, and you can tell without a doubt that I'm her daughter. She raised me to believe that I can be anything. So when you push me out, just push back harder. I got my high heels on, my boxing gloves. I can knock you out. Fight fair, won't stop fighting till I get there. No, I ain't afraid to cry. Everybody's gotta feel something sometimes. Fight hard, I fight tough, I fight fair. Won't stop fighting till I get there. No, I ain't afraid to cry. I ain't afraid to fight. Got my high heels on with my boxing gloves. I can knock you out with a 1-2 punch. Perfume sweet and whiskey strong. I damn sure ain't no underdog. I'm Sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming.
FM 99,1 Drôme-Sisquoi et sur CIBI 991.com. Vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. Le Kansas tient un référendum pour sa part, un référendum d'État sur l'émancipation des femmes et ou des hommes noirs. Le droit de vote des femmes et des hommes noirs est encore rejeté. Même affaire, le 14e amendement à la Constitution américaine est ratifié, introduisant le mot « mâle » dans la Constitution pour la première fois, dans la section 2 de l'amendement. From coast to coast, from Canada to Mexico, they're doing a new dance, a trident, the true dancer will sweep the land, and you'll think it's so grand, you'll have to learn how to do it, so please don't poo-poo it, cause we bet this little dance is gonna rise to fame, it's sure to put most any other dance to shame, the turkey trot, the bunny hug, the tingling toe, will be forgotten when we start to go. Mr. Leader, won't you start the syncopation? And we'll begin our little demonstration. Now, first you put your two knees close up tight, then you sway them to the left, then you sway them to the right. Step around the floor kind of nice and light. Then you twist around with all of your might. Stretch your arm and arm straight out in space, then you do the eagle rock. Caroline Seymour Severance crée le New England Women's Club, a déclenché le mouvement des clubs qui est devenu populaire à la fin du 19e, et à Vineland, dans l'État du New Jersey, 172 femmes ont voté dans une boîte séparée pendant l'élection présidentielle. Le sénateur Pomeroy du Kansas présente l'amendement fédéral sur le suffrage féminin au Congrès. Ainsi, beaucoup de partisans du suffrage précoce, y compris Susan B. Anthony, sont restés célibataires parce qu'au milieu des années 1800, les femmes mariées ne pouvaient pas posséder de propriété et ne pouvaient pas conclure de contrats légaux pour leur propre compte. Le 14e amendement est ratifié. Les citoyens et les électeurs sont définis exclusivement comme étant des hommes. Sur CIDI FM 99,1 Drôme-Sisquoi et sur CIDI 991.com, vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. Red carpet floors, same old Navy pays.
CIDI FM 99,1 Bromissisquoi et sur CIDI 991.com. Vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. All along I knew I'd lose you, though I prayed that you'd be true. In your heart, please just remember, right or wrong, I'm still in love with you. Société se poursuit après la pause sur CIDI 99,1 FM ou CIDI 991.com. Sur CIDI FM 99,1 Bromissisquoi et sur CIDI 991.com, vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. Mesdames et messieurs, ici Jacques Marchand. Bienvenue dans la zone Country Société. Cette semaine, on parle des suffragettes. Dès le début du 19e, un chapitre important de la sociologie américaine s'amorce par une bataille du droit de vote des femmes qui aboutira par un amendement de la Constitution. Suite à l'abolition de l'esclavagisme en 1870, à la fin de la guerre civile, terminer le système des affranchis pendant que des femmes foncent pour obtenir des droits politiques. Mais cette bataille avait débuté au lendemain de la guerre d'indépendance de George Washington. Une sorte de mouvement féministe s'était installé en 1789. With a number of MPs very sympathetic to the women's cause. It was carried that there was not the evidence to support any change to the suffrage bill. What? No votes for women then, sir. No, no votes. But Mr. Lloyd George listened, he took it all down. Sham. Sham. It's a sham! Brilliant and
CIDI FM 99,1 Bromissisquoi et sur CIDI 991.com. Vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. En 1869, le territoire du Wyoming est le premier à accorder le droit de vote sans restriction aux femmes. Le mouvement des suffragettes se scinde en deux, la National Woman Suffrage Association et l'American Woman Suffrage Association, est formée par Elizabeth Cady Stanton et Susan B. Anthony, après que leurs partisans abolitionnistes et républicains accusent de mettre l'accent sur les droits civils des Noirs au détriment des droits des femmes. Le territoire de l'Utah accorde le droit de vote aux femmes en 1870. Le 15e amendement de la même année à la Constitution des États-Unis est adopté. L'amendement stipule que ni les États-Unis ni aucun État ne peut nier le droit de vote en raison de la race, de la couleur ou d'une condition inférieure ou antérieure de servitude, ce qui laisse ouvert le droit des États de refuser le droit de vote en raison du sexe. In 1803, we sailed out to sea. Out from the sweet town of Derry, for Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our fetters we'd carry. And our rusty iron chains we cried for our winds, our good women we left in sorrow, as a mainsail unfurled and curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, said goodbye to the soil, as down below decks we were lying. Old Dougherty screamed, woken out of a dream by a vision of bold Robert dying. The sun burned cruel as they dished out the gruel. Dan O'Connor was down with the fever. 60 rebels today bound for Botany Bay, and many will reach the receiver. I was back home in Derry. Oh, I wish I was back home in Derry. I cursed them to hell as our bow fought the swell. Our ship danced like a moth in the firelight. My horses rode high as a devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43. We buried our comrades each morning. In our own slime, we were lost in the tide. Endless nights without dawning. Oh, I wish I was back home in Derry. Van Diemen's land is a hell for a man who ended out his whole life in slavery. Where the climate is raw and the gun makes the law. Neither wind nor rain care for bravery. 20 years have gone by, I've ended my bond. My comrades ghost walk behind me. Wherever I came, I'm still the same. On a cold winter's night you will find me. CIDI FM 99,1 Bromissisquoi et sur CIDI 991.com. Vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand.
Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton s'opposent à l'amendement. Bon nombre de leurs anciens alliés dans le mouvement abolitionniste, Lucy Stone, appuient l'amendement. Victoria Woodhull s'adresse au comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, faisant valoir que les femmes ont le droit de vote en vertu du 14e amendement à la Constitution américaine, mais le comité n'est pas d'accord. Susan B. Anthony, quelques années plus tard, en 1872, s'inscrit et vote à Rochester, arguant que le 14e amendement de la Constitution américaine lui donne ce droit. Cependant, elle est arrêtée quelques jours plus tard. Victoria Woodhull a été la première femme à se porter candidate à la présidence américaine, nommée par le Parti pour l'égalité des droits, avec un programme appuyant le suffrage des femmes et l'égalité des droits. We are the suffragettes. Think you know some fierce girls? You ain't heard nothing yet. A lass called Millie Fawcett, founder of our cause, started the battle for our rights. Argued the government should change the laws. Here is how she stated our plight. How come girls can't vote for rules that we have to obey when we work and pay taxes too? Parliament's reaction was, oh, do go away. If they're so stupid, they'll do that. Seemed our cause was lost when World War came along. A suffragette reaction was to wave our protest goodbye for well so long to patriotic action. Put down our banner saying give us votes instead. Supported the men's fight. Worked to help them win the war, so guess what they said? Okay, ladies, you were right. Sur CIDI FM 99,1 Brome-Sisquoi et sur CIDI 991.com, vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. Charlie, my boy, oh Charlie, my boy, you thrill me, you chill me with shivers of joy. You've got that kind of sort of bit of a way that makes me, takes me, tell me, what shall I say? And when we dance, seem to start where others get through. Oh,
1875, dans l'affaire Minor, la Cour suprême américaine statue que le 14e amendement de la Constitution des États-Unis n'accorde pas aux femmes le droit de vote. Devant ce fait, il y a un référendum au Michigan sur le droit de vote des femmes, mais celui-ci est perdu. Les femmes du Michigan et du Minnesota obtiennent le droit de vote aux élections scolaires. Et un peu plus tard, en 1878, le sénateur Aaron Sargent de la Californie présente pour la première fois un amendement fédéral visant à accorder aux femmes le droit de vote. Bien qu'elle ait échoué au départ, la modification deviendrait finalement la 19e modification des années 1880. Et en 1880, justement, l'État de New York accorde le droit de vote aux femmes. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Up to you, New York, New York, New York. En 1910, alors qu'on sent qu'on se rapproche du résultat final, imitant les tactiques de base de militants syndicaux, l'Union politique des femmes organise le premier défilé de suffrage à grande échelle aux États-Unis qui se tient à New York. La même année, Washington accorde le droit de vote aux femmes. Le Parti progressiste de Theodore Roosevelt inclut le suffrage féminin dans son programme et il s'ensuivra que plusieurs autres États feront de même. Le Montana, beaucoup plus moderne, élit la suffragette Janet Rankin à la Chambre des représentants. Elle est la première femme élue au Congrès américain. Parmi les publications, à partir de janvier, le Parti national de la femme publie à la Maison-Blanche des Sentinelles de la liberté, aussi connues sous le nom de Sentinelles silencieuses.
Elles sont le premier groupe à faire du piquetage à la Maison-Blanche. En juin, les arrestations commencent. Près de 500 femmes sont arrêtées et 168 purgent une peine d'emprisonnement. Le 19e amendement à la Constitution des États-Unis, qui a finalement accordé le droit de vote aux femmes, est adopté à la Chambre des États-Unis, avec exactement un vote des deux tiers, mais perd par deux voix au Sénat. Le 19e amendement à la Constitution des États-Unis est ratifié, déclarant que le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera ni refusé ni réduit par les États-Unis ou par tout État. FM 99,1 Bromissisquoi et sur CIDI 991.com. Vous écoutez Country et Société avec Jacques Marchand. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this
talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Mesdames et messieurs, ainsi se termine l'émission Country et Société. Nous nous sommes transportés au cours de la dernière heure dans le combat du droit de vote des femmes américaines. La semaine prochaine, on fera le focus sur la genèse de la communauté noire du Canada. Ici Jacques Marchand, je vous invite à consulter l'horaire de nos émissions sur CIDI991.com. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout, une bonne écoute à notre antenne. Thank you.